Mohamed, un but par match, est-ce que c'est bien pour vous? Ouais, très bien. C'est très bien pour moi, surtout pour l'ensemble de l'équipe, vu tout ce qu'on fait en ce moment. Donc j'espère bien de continuer comme ça avec l'équipe. Déjà bravo, hein, encore. Est-ce que tu as réussi à l'intégration dans l'équipe? Franchement, avec l'ensemble de l'équipe, j'étais je me suis très bien intégré dans l'équipe. Surtout vu les coéquipiers que j'ai, les capitaines, toute l'équipe. Franchement, ça se passe très bien avec l'équipe. Et qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es devant le but? Tu as le temps de réfléchir ou pas? Il y a des moments où ouais, j'ai le temps de réfléchir, mais il y a des moments donc je fais comme ça arrive en fait. Pour la première intention, j'ai essayé de tirer, de faire le maximum pour essayer de cadrer le ballon. Et après le reste, ça viendra tout seul. Vous avez tellement, vous avez tellement dominé le match, est-ce que ça vous met en pleine confiance? Là, honnêtement, on est en confiance 100%. Vu depuis le début de saison, un but encaissé en 3 matchs. On commence déjà à féliciter la défense et l'ensemble de toute l'équipe. Franchement, ça se passe très bien en ce moment. On attend le match de dimanche avec impatience. Surtout à la part des spectateurs, on attend beaucoup du monde. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Déjà, alors bravo Evan pour ce super coup franc et vos 2 buts. Merci. Toujours plaisir de marquer. Est-ce pas frustrant d'avoir autant d'occasions et ne pas marquer à la première mi-temps? C'est clair que je pense qu'on peut marquer plus vite. Après, on mène 2-0 à la mi-temps. Je pense voilà, on a fait le job. Deuxième mi-temps, on met un but, on reçoit 0 but. On a fait le job. Et 3 matchs, 3 victoires, c'est bien? C'est clair qu'on ne peut pas espérer mieux. Je pense, on n'a pas tapé les favoris du groupe pour le moment. Quoi. Donc 3 points. Aujourd'hui, c'est toujours bon à prendre, on vire en tête et ça fait plaisir pour la suite et c'est que du bonus. Quel pied ou bien pour le coup franc? Quel? Quel pied? Ben voilà, je les ai travaillés ces derniers entraînements, j'étais prêt à marquer sur ce prochain match, donc ça fait plaisir de marquer sur coup franc quand tu travailles. Tu les travailles à l'entraînement. Si, ça c'est mon gars ça, ça c'est mon gars. Là, ça fait toujours plaisir de marquer quand tu travailles comme ça à l'entraînement pour réussir. Quoi. Et quelle consigne vous a donné l'entraîneur pour la deuxième mi-temps? De pas reculer, d'aller marquer le troisième. Et c'est ce qu'on a fait. Il ne voulait absolument pas qu'on recule et qu'on en prenne un. Et puis qu'on soit attendu jusqu'à la fin du match. Donc, ok, merci. Merci. On arrive au même, messieurs. Calme à la bombe. Mouvement de poing du cul.